Alors là, tu as encore un tout petit peu le temps. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à gauche. Donc décortique, les rétros, le clignot, freine un tout petit peu plus seconde, freine un peu plus comme s'il y avait un piéton qui allait traverser. Voilà, là tu laisses rouler. Et tu vois, normalement, ils ont des pointillés, donc normalement, tu es prioritaire. Voilà. Et donc là, le mieux, c'est vraiment de surveiller tous les passages piétons. C'est-à-dire que toi, dès que tu as des passages piétons, assure-toi qu'ils ne traversent pas, tu devrais plutôt freiner un petit peu. Voilà. Parce que tu peux avoir lui qui se met à traverser, tu vois, tu restes en deux, normalement c'est bon, mais tu peux aussi avoir quelqu'un juste là. Ok ? Ok. L'idée d'un passage piéton, c'est soit tu as peut-être quelqu'un, soit pas du tout, ou alors il n'y a rien. Tu vois, déjà là-bas en haut, moi par exemple, je vois des feux de recul. Est-ce que tu les as vus dans la voiture blanche ? Non. Ok. Donc c'est sur le parking, c'est pas grave. Hein. Mais tu vois, regarde, lui, il traverse pas. Là, tu décortiques ce que tu vois. C'est-à-dire que là, est-ce que tu vois un passage piéton ? Oui. Ouais, est-ce que tu vois un piéton dessus ? Non. Non. Donc du coup, on peut y aller. Un peu loin. Voilà, mamie, elle est loin. Et tu vois, là, c'est un petit peu pareil. Si je dois ni freiner ni ralentir troisième, si je vois qu'il y a un piéton qui va traverser ou si je vois, par exemple, une portière qui s'ouvre, je le fais pas. Donc là, c'est pas mal de surveiller derrière. Ok. Voilà. Tu vois, parce qu'il y a un piéton, je suis resté en 2. Si on n'avait pas eu, j'aurais mis la 3. Ouais. Tu vois, là, le danger, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un dans cette voiture, il y a des feux allumés. Là, on part à gauche. Ok. Donc là, normalement, t'es prioritaire, il a cédé le passage. Ça tombe bien, il s'en fout. Et on y va. Tu vois, regarde, il avait un marquage ou un panneau. Ok ? Tu vois, là, est-ce que tu vois des choses qui t'intéressent ? Quelqu'un qui recule. Ouais, donc surveille ici. Ok. Et on continue. Tu vois, en fait, il faut que tu cherches les feux de recul, il faut que tu cherches les piétons, il faut que tu cherches, par exemple, les roues qui peuvent bouger. Et en fonction de ça, du coup, tu adaptes l'allure. Tu vois, regarde, lui, est-ce qu'il traverse ? Non. Ok, est-ce que là, tu vois des feux de recul ? Non. Est-ce que lui, il te suit de près ? Pas. Ça va, ok. Là, si tu connais pas, ben, regarde, tu arrives sur un rond-point. Donc, nous, on part complètement à gauche, là-bas. Voilà. Là, est-ce que tu as vu déjà du monde ? Donc là, tu essayes de voir est-ce que tu y vas en deux ou pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ok, c'est pas grave. Regarde, mets ta première, c'est bon. Le moteur, il y était. Ah, pardon. Hop, c'est pas grave. Tu vois, fais gaffe au montant de la portière parce que des fois, en fait, on n'y voit pas. Et là, s'il n'y a rien, accélère bien pour tenir l'embrayage. Ok, c'est bon. C'est pour ça qu'en fait, quand tu arrives sur un rond-point, c'est important de savoir combien de fois tu vas regarder avant le rond-point. Pas de clignot à droite ? Il vaut mieux. Regarde. Je pensais plus à ma vitesse que... Là, par exemple, on te dit rien, c'est tout droit. Donc, tu vois, okay. Tu peux jeter un petit coup d'œil. Lui, il est très loin, donc on y va. Et n'oublie pas, vu que c'est un rond-point, ok. Là, pareil, essaie de voir un petit peu, plein d'indices. T'as des marquages, des panneaux. Ok, donc regarde, on cherche, passage piéton, c'est 30. Est-ce que ça, c'est une prio à droite ? Non, puisqu'ils ont un marquage et un panneau, ok. Le passage piéton, est-ce qu'il y a quelqu'un dessus ? Non, est-ce que tu es suivi de près ? Un petit peu. Ça veut dire que vu que tu l'as vu, si tu dois freiner, au moins tu peux freiner en douceur. Tu vois, elle ne traverse pas. Sous le camion, regarde, est-ce qu'il n'y a pas des pieds par là, quelqu'un qui pourrait traverser ? Est-ce que ça, c'est une prio à droite ? Non, et est-ce que les mamies traversent ? Oui. Eh oui. Donc là, le feu, il est de quelle couleur ? Vert. Vert, ça veut dire qu'on peut deviner quoi ? Ouais, il y a de fortes chances. Donc regarde, les passages piétons, ça va. Le feu, il est vert depuis longtemps. Donc tu surveilles un petit peu derrière toi. Dès que tu es 1 à 2 secondes avant le feu, pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et on passe si tu es dessus. Et là, tu vois quand même petit coup d'œil. Pourquoi petit coup d'œil ? Quelqu'un qui déboule. Ouais, quelqu'un qui déboule, qui grille le feu. Donc là, si je dois ni freiner ni ralentir, troisième du coup. Parce que tu avais un panneau 30, mais que jusqu'à l'intersection. D'accord ? Okay. Allez, je te laisse chercher. Prio à droite ou pas ? Non. Non ? Tu vois quoi d'autre ? 30. Ouais. Ça marche. Allez, on part à droite, du coup. Ok, pense au rétro droit aussi. Gère bien l'allure. Voilà. Tu vois, là, les dodanes en fait en deux. Hein. Tout ce qui est dodane en seconde, c'est mieux. Donc là, même chose, est-ce que tu arrives sur des prios à droite ? Non ? Je peux mettre... Alors justement, troisième ou seconde, moi je resterai en deux puisque je vois deux dangers. Le premier, c'est que ça clignote. Ok ? Si ça clignote en deux, tu t'arrêtes mieux qu'en trois. Et le deuxième, c'est que ici, par exemple, tu as un sommet de côte et pas trop de visibilité. D'accord ?
Ça veut dire que j'aurais le droit de mettre la 3, mais ça serait peut-être pas très adapté. Je crois que je connais cet endroit, c'est là où il y a tes priorités dans pas longtemps. C'est bien, on travaille pas avec sa mémoire. Allez, regarde, on part à gauche. Les deux rétro d'abord. Ok, regarde, fais attention. Pas de panneau, pas de marquage, prio à droite. Donc s'il y a quelqu'un qui va en première, sinon tu laisses rouler, on y va. Après, si tu estimes que tu es plus à l'aise en première, tu mets ta première. Hein. C'est toi qui gères ton allure, hein, ta vitesse. Allez, je te laisse chercher. Tu vois comment ta voix, s'il faut tout ce que tu vois, hein, si ça peut t'aider. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire des grandes phrases, mais on peut se dire, ils ont un stop. On peut se dire, la voiture, il n'y a personne. On peut se dire, il me colle un peu, mais il tourne. Faut que tu chopes tous les indices. Là, qu'est-ce que tu vois? Dan. Ouais. 30. Ok. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pile. Voilà. Tu me dis si tu vois des priorités à droite, toi qui les as reniflées. Là, si tu observes, ils ont des marquages ou pas, les gens? Ouais. Ouais, ils ont tous des stops. Hein. Et tu vois, tu as répondu à ta propre question. Tu t'es dit, je vais rester en 2 parce que finalement, il y a des Dan. Prio à droite ou pas? Non. Et non, hein. Là, tu dois avoir des choses qui t'intéressent aussi. Rond-point. Ok, quoi d'autre? Zone à 30. Voilà. Et alors. Dans tous les cas, ça sert à rien de mettre la troisième. Ça peut faire un peu court. Alors, c'est vrai qu'il y a le poids lourd. Laisse rouler déjà. Tu vois, n'accélère pas, sinon tu vas t'arrêter pour rien. On part à droite. Voilà. N'accélère pas, il y a du monde là. Tu vois, si tu accélères, tu t'arrêtes pour rien. Voilà, ça fait un peu court. Ouais. Le truc, c'est que tu te pièges toute seule. Pourquoi accélérer alors que tu vois du monde? C'est vrai. Allez, ralentis. Ok, on part à droite. Voilà, si tu vois du monde, au contraire, hein, tu laisses rouler. Et tu essaies de te dire, ben, soit je vais pouvoir y aller parce qu'à un moment donné, il n'y aura personne. Ou alors, je vais m'arrêter ou mettre ma première. Regarde, tu vois quoi d'autre ici? Un piéton. Ouais, donc on va bien surveiller là derrière. Voilà. Ok. Et là, comme je te disais, angle mort à droite ou à gauche, peu importe, mais tu regardes du coup un des deux. Et là, on va tout droit. Bien de l'avoir vu, tu vois, pas de panneau, pas de marquage, très bien. Tu la connaissais ou tu l'as vraiment vu? Je l'ai vraiment vu. Très bien. Mais je me suis douté, mais je me suis dit bon, je vais quand même vérifier. Voilà, là si on te dit rien, donc tu le sais très bien, c'est tout droit. Tu vois, regarde déjà, observe là-bas au fond. Ok, à toi de voir. Voilà. Ok. Tu t'es dit le silence de la peur. Si l'autre il dit rien, c'est qu'il y a quelque chose. Allez, prochain rond-point à gauche. Voilà, donne trois coups d'œil au moins avant le rond-point. Regarde, premier coup d'œil, voir s'il y a du monde. Deuxième coup d'œil. Et troisième coup d'œil par sécurité. Ok. Toi à l'avance, c'est très bien. Plus tu t'écartes tout, mieux c'est en termes de distance après. T'es jamais passé là? Si, justement. En examen? Non, en examen. Parce que là, si tu veux, t'es à 2 minutes, on va dire, du centre d'examen, donc c'est pas rare de passer par là. Voilà, donc là tu vois la visibilité elle est bonne. Alors c'est une priorité à droite, mais j'y vois. Donc finalement t'avais juste ralenti, c'est suffisant. Ok, on part à gauche. Et donc là si tu observes, en fait on voit déjà qu'à gauche ils ont le marquage ou le panneau. Et là-haut c'est un petit peu pareil, regarde. Ligne blanche du stop ou le panneau. Voilà.
Il n'y a pas grand chose dans les voitures. Par contre, là-bas au fond, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une voiture avec les feux rouges allumés. Non. Non, ça veut dire que du coup, il y a quelqu'un dedans. On verra. Donc là, ce qu'on va faire, on va tourner à gauche dès que ça va être possible. Donc si on te dit ça, regarde, déjà rétro clignot, même si tu ne connais pas. Tu vois, normalement, c'est dans cette voiture grise qu'il y a quelqu'un. Tu vois. Là, il vaut mieux freiner un peu, fais gaffe au passage piéton. Et évidemment, tu ne peux pas y aller tout de suite. D'accord. Donc, s'il n'y a personne, on y va. Voilà. Tu suis le marquage au sol. Ok, remets le clignot s'il saute. Tu vois, les gens de droite, ils ont quoi? Un stop. D'accord. Ouais, regardez, là, un stop. Ok, et là, tu regardes au fond. Donc ça, ce croisement, on va aller le refaire tout à l'heure. Ce qui est étrange, c'est juste que c'est sens unique. Tu vois? Donc sens unique, ça veut dire que du coup, bah, exceptionnellement, je me place à gauche pour aller à gauche. Et là, tout droit. Si on dit rien, tout droit. Donc c'est très bien que tu es surveillé là, parce que du coup, regarde, tu es obligé de t'arrêter. Voilà, ça a un peu tremblé, c'est parce qu'il faut pas avoir peur d'accélérer. Tu vois, on l'a pas entendu l'accélérateur. Accélérer pour pas caler. Hein. Donc pareil, tu me dis si tu vois ici des indices qui vont t'aider. Passage piéton. Voilà. Sur le côté. Ok. Est-ce que ces voitures, il y a du monde dedans ou ça a l'air assez calme? Ça a l'air calme. Voilà. Donc c'est pour cette raison que tu vois, on peut accélérer un petit peu. Et si on a un doute, on va mettre le pied au-dessus du frein. Voilà, il faut clairement que tes yeux bougent, hein. Gauche droite, droite gauche. Il faut que tu bouges les yeux, être sûr qu'il n'y ait rien. Et où tu veux, tu vas faire un rangement en bataille arrière. Donc là, sur le. Voilà. Okay. L'entrée, ouais, c'est un peu bizarre ici. Voilà, c'est une bonne idée. Hein. Si c'est compliqué, tu batailles pas. Hein. Oh le jeu de mots, tu batailles pas. Donc où tu veux, tu te gares en bataille arrière. D'accord? En bataille arrière. Ouais, faut juste informer les gens de ce qu'on fait. Tu t'en souviens ou pas du tout? Non. Non. On n'a pas fait beaucoup de manœuvres. Alors, pourquoi t'embêter ici? Moi j'irai au fond. Après t'as le droit hein, de manœuvrer ici. Mais si tu regardes au fond, il n'y a personne, tu t'embêteras encore moins. Ok? Si je te parle de trois lignes, ligne à hauteur du rétro, est-ce que ça te parle? Ouais. Regarde, serre légèrement à droite, remets le clignot à droite, ok. Amène n'importe quelle ligne à hauteur de ton rétro. Ok, là on y est? À peu près. Voilà, donc là par exemple, tu as la ligne à hauteur de ton rétro. Ça veut dire que si tu recules et que tu tournes, tu vas atterrir, 3 cases en arrière. Tu t'en souviens? Ok, ouais. C'est pas un grand oui. Ça te parle pas trop. Donc là, tu as ton point de repère. Marche arrière, je sais pas si tu l'as mise. On vérifie, puisqu'encore une fois c'est les vacances, mais le jour de ton examen il y aura du monde devant l'école. Et s'il n'y a rien, essaye de reculer, tourner pour atterrir 3 cases en arrière. Ok. Là ton point de repère il y est. Ok. Allez, recule, tourne. Tu vois, c'est très bien. À fond les mains doucement au niveau de tes pieds, de l'embrayage. Reste braqué à droite. Voilà. Et à quel moment tu vas redresser? C'est quand tu seras droite par rapport à en face. Donc tu as le temps. Recule encore un peu. Donc quand tu es droite par rapport à en face, là, on redresse. Combien de tours? Voilà. Et recule un peu plus. Tu te bases après par rapport aux autres places. Voilà. On immobilise. Et si on est bon, hop. Alors, il faut voir de ton côté. De mon côté, c'est bon, mais peut-être que tu es à ras de la ligne. C'est moyen ? J'ai dépassé. Ok. Alors, de toute façon, je compte en refaire faire un pour être sûr. Ok ? Ok. Je te laisse faire.